Hello, lovely people, and welcome to La Délice de Masson. Before you start watching, please don't forget to like, share, and comment. Thanks and enjoy. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hello everybody, I hope you are all doing well today. Yeah, in this video, I'm showing how I cook my ragoût de porc. Donc dans cette vidéo, je suis en train de montrer comment je prépare mon ragoût de porc. Donc, on va procéder étape par étape pour voir comment on a fait ce délicieux repas. So, we're going to move step by step to show how I made this delicious food. And I'm going to eat this this ragoût de porc with yellow rice. Donc, je vais manger ce ragoût de porc avec un peu de riz jaune. Et je vous remercie vraiment pour tout le soutien. So, I thank everyone for, you know, all your support. Donc, voici tout ce dont nous aurons besoin pour faire notre rôti de porc. Ne vous dérangez pas, quand je vais poster, je vais m'arranger à ce que vous ayez la liste des ingrédients. Et c'est rien que ça là, que je vais écraser. So, this is the only thing that I have to blend. Everything else should be chopped. Donc, dès le départ, je vais mettre la viande dans la marmite. So, I'm going to put my pork in the pot. To the pork, I'm going to add this lemon. Donc, je vais ajouter ce lemon, ce citron, pardon, pour assaisonner la viande. Donc, par la suite, j'ajoute les condiments écrasés. I'm adding the blended spices. Là, maintenant, j'ajoute du sel. Next, I'm adding the salt. You add the salt to your taste. If you eat the Maggi cube, go ahead and add it now. But it is optional. Donc, si vous consommez le cube Maggi, ajoutez ça maintenant. Mais c'est facultatif. Hein? Et là, maintenant, je vais remuer tout. And I'm going to let it cook in its own juice. Donc, je vais laisser la viande mijoter comme ça dans son propre jus. Right here, let's heat up some oil to cook the rice. Donc, on va chauffer un peu d'huile, vous voyez, juste un peu, not too much, to make the rice. And let's fry the onion for about 2 minutes. Donc, on doit frire cet oignon pour environ 2 minutes. I'm just checking this pot. Donc, je suis en train de regarder ma viande. Mon porc, mon beau regard qui se comporte très bien. Now I'm going to add in the rice. This is yasmin rice, but you can use any type of rice that you like. Donc ça c'est le riz yasmin, but vous pouvez utiliser n'importe quel riz que vous aimez. Now I'm going to add in some curry powder. Ça c'est le curry, donc je vais ajouter un peu dans le riz. Et puis j'ajoute aussi un peu de sel. So I'm adding some salt. Now I'm going to stir fry until it starts to stick at the bottom of the pot. Donc je vais griller un peu le riz dans l'huile jusqu'à ce que ça commence à coller au fond de la marmite. Vous voyez comment mon riz se sèche déjà, non? Donc je vais ajouter de l'eau bientôt. So I'm going to add some water very soon. Donc mon riz est bien grillé. Maintenant je vais ajouter de l'eau pour cuire le riz. So now I'm adding some water to cook the rice. The amount of the water depends on the type of the rice that you are cooking. And see, this is yasmin rice, it does not need a lot of water. Donc la quantité d'eau que vous ajoutez dépend du type de riz que vous préparez. Et comme ça c'est le riz yasmin, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup d'eau. So I'm just checking my rice. It needs a little bit more of water. Donc je regarde mon riz et je me rends compte qu'il faut encore ajouter un peu d'eau. Je recouvre encore la marmite. Vous voyez que la viande a déjà bien absorbé les condiments. Là maintenant je vais ajouter la tomate. So I'm going to add the tomatoes. Donc j'ajoute aussi le poireau maintenant. Puis je vais remuer.
So I'm going to stir everything all together. I make sure the tomatoes and the leeks go to the bottom. Donc je me rassure que j'envoie la tomate et le poireau au fond de la marmite, n'est-ce pas les amis? Cover it up and set it again to a boil. Donc je couvre et puis je continue la cuisson. Right now, as you can see, my rice is cooked. Donc mon riz est déjà bien tendre. Je continue maintenant à cuire le porc, le beau regard. Donc mon repas sera prêt dans environ 2 minutes. My food will be ready in about 3 minutes. So I'm going to go ahead and add the onion. If you want your onion to be really cooked, you may add it early. Donc si vous voulez que vos oignons soient très cuits, vous ajoutez plus tôt. J'ajoute le persil et l'oignon vert. So this is parsley and the scallion that I'm adding now. And last thing will be the peppers. So if you want all these things to be really cooked, make sure you add it early. Donc si vous voulez que ces légumes soient bien cuits, vous les ajoutez un peu plus tôt. So now I'm going to add some oil, but this is optional. Donc j'ajoute un peu d'huile, mais ça c'est facultatif. Si vous ne voulez pas, vous n'avez pas besoin d'ajouter l'huile. Et là, mon repas est prêt. Tout ce qui me reste à faire, c'est de le servir. So my food is ready. I'm just going to serve it now. Donc là, maintenant, je suis juste en train de servir mon ragoût de porc. So right now, I'm just serving my food. Donc les amis, vous êtes tous invités. So guys, you are all invited. And please don't forget to like and share the videos. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager la vidéo. Et si vous voulez mettre encore un peu de concombre comme ça, je pense que ça va aider pour la digestion. So if you add some cucumber, I'm pretty sure it's gonna help with the digestion. That being said, see you in my next video. Bye. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine vidéo, ok? Bye. Mm-mm.